Bonjour à tous, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Noël approche, nous allons voir comment mettre vos photos dans une boule de Noël. So kitsch. Alors, encore merci à Michel Le Tellier pour son idée. Donc, nous partirons de quatre images pour obtenir l'image finale. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, on se retrouve dans un instant. Donc, nous nous retrouvons dans Photoshop. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir une de nos photos. Donc, je vais faire Fichier ouvrir. Et je vais chercher ma boule à neige. Donc là, je fais Ouvrir. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième image qui s'appelle l'église. Maintenant, tout simplement, je vais aller chercher l'outil ellipsis. Alors, si vous n'êtes pas en ellipse, hein, vous serez peut-être en rectangle comme ça. Il suffit de venir cliquer sur le petit rectangle et on va venir chercher l'ellipse. Donc là, je vais prendre la zone. Donc là, je vais sélectionner ma zone. Et afin d'avoir un rond, je vais appuyer sur la touche Shift. Maintenant, je vais lâcher mon clic gauche et là j'ai un rond parfait. Donc là je vais pouvoir, ça me paraît correct ma sélection. Maintenant je vais venir sur filtre, déformation et je vais aller sur sphérisation et je vais lui donner une valeur de 60%. Là je donne OK. Maintenant je vais aller dans édition, copier. Je reviens sur ma boule à neige. Et là, je vais faire édition coller. Je prends l'habitude de nommer mon calque, donc je vais l'appeler église. Sur mon calque église, hein, donc je vais venir prendre l'option produit. Donc là, maintenant, je vais faire CTRL T pour modifier. Je vais essayer de le faire coller. Ça commence à être pas trop mal. Alors, il faut qu'elle soit légèrement plus petite, hein, que le. Là, j'appuie sur Entrée pour valider mon choix. Maintenant, je vais créer un masque de fusion. Et je vais prendre mon pinceau. Donc le pinceau, je vais prendre celui-ci, le arrondi flou, pression, opacité. Je clique dessus. Donc, je viens bien dessus. Je peux agrandir pour mieux voir ce que je vais faire. Et je vais dessiner un léger tout autour. Vraiment, je viens autour. Je vais descendre ici, pareil. Donc. Bon, là, ça me paraît correct. Donc maintenant, je vais ouvrir une nouvelle image. Je vais ouvrir ma photo de neige. Donc j'ouvre ma photo de neige. Donc, je vais sélectionner tout sélectionner. Édition, copier. Je reviens sur ma boule à neige. Et là, je vais faire édition, coller. Je la passe en superposition. Et là, j'ai la neige dessus. Impeccable. Maintenant, autre chose, je vais ouvrir mon reflet. Pareil,
Je vais le sélectionner. Sélection, tout sélectionner. Édition, copier. Je reviens sur ma boule à neige. Là, je vais faire édition, coller. Donc là, j'ai bien mon reflet. Je le passe en superposition. Superposition. Par contre, je vais lui donner un taux de 75%. Et là, j'ai plus qu'à le positionner à l'endroit où je veux. Ah, ça nous donne quelque chose de correct ici au niveau. Je vous remercie de votre attention. Encore merci à Michel Letellier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et n'hésitez pas non plus à liker. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!